Timothée est non-voyant, donc il a besoin vraiment d'avoir confiance à 100% dans le fait de courir à deux. Tous les deux, on veut faire briller l'autre. C'est vraiment une relation fraternelle. Mon plus gros souci, c'est de réussir à l'emmener du début jusqu'à la fin dans les règles. Mais guider, c'est pas seulement sur la piste. C'est vraiment créer ce lien où on va tous les deux être en confiance. On va pouvoir se livrer, on va pouvoir partager nos émotions. Je suis agent animateur mobile. Mon rôle, c'est d'accompagner les voyageurs. Et en fait, j'ai un contrat d'insertion professionnelle qui me permet d'être détaché et de pouvoir mener ma carrière en parallèle. Ça représente une deuxième chance. Au jeu de Tokyo, avec Timothée, on a été disqualifié, mais j'ai pas ce truc où je veux ma revanche. J'aimerais vraiment profiter de cette deuxième chance pour pouvoir faire quelque chose de bien. En plus, à la maison, on a envie de briller devant son public.